Voilà, donc là on arrive à Prévire et on a rendez-vous avec Vianney qui est le volontaire bambou et Chumni qui est le partenaire de Buddhist for Development qui est le partenaire d'Enfants du Mekong à Prévire. Từ đặt tiền vào cùng đại phó, đặt tiền vào cùng sở phòng. Đồng bây giờ, càng xa hơn cuộc sống mà chụp chạy về Hà Nội. Phụ vật mình không nhận là... On va où là, Caro? Là, on va à l'école. Hello. Hello! Hello, hello! Hello! Elle aimerait bien être infirmière. Et rien ne salarié ni thé? Ah bah. C'est maintenant elle a un nouveau parrain, c'est donc une classe de Bretagne qui la parraine. Donc en France, est-ce qu'elle connaît un peu la France? Chang Mel Tot, Tot Con? Chang. Oui, donc elle aimerait bien avoir une photo de la classe. Elle croule, hein? Avec les professeurs. Ça y est, on arrive dans la maison là. Et on est accueilli par une vache. Oh, donc ils sont deux à dormir ici. Deux à dormir là et un qui dort sous la maison. D'accord. La maman, elle a des emplois journaliers, c'est-à-dire qu'elle va aider par exemple pour ramasser le manioc ou des choses comme ça. Quand elle n'a pas de travail, elle fait des toits en chaume. Pendant une semaine, elle va en couillonne couper des grandes herbes. Donc la couillonne, faut peut-être dire, c'est le transport traditionnel cambodgien. Ce n'est pas un gros mot ici. Et donc là, on a une réserve de d'herbe pour fabriquer des toits en chaume. Feng Heng vit dans une famille très pauvre. Sa maman élève ses quatre enfants toute seule depuis que son papa est parti sans donner de nouvelles il y a 10 ans environ. L'année dernière, sa marraine a dû arrêter de la soutenir. Seng Heng a bien cru qu'elle allait devoir, comme son grand frère, arrêter l'école pour soutenir sa famille. Heureusement, le nouveau parrainage mis en place par l'école du Mont Scobri lui permet de poursuivre ses études et de continuer à croire à son rêve, devenir infirmière.